Salam alaikum. Salut la famille. Bonsoir tout le monde. Fatoumé le Diallo, la maman, je m'en fous. Hein. Ce n'est plus la maman des pauvres. C'est la maman, je m'en fous. On est au siège. Hein? Là, je suis au siège. Je suis chez moi. Quand je suis là, je me sens en sécurité. Quand je suis là, je me sens chez moi. Quand je suis là, je sais que là, je suis chez moi. Je suis là, c'est le prac. Hein? C'est ce qui dérange les gens. Depuis le 6 juin 2019, notre adhésion au RPG Arc-en-Ciel, ça a dérangé le monde. Ça a dérangé le monde. Donc, je suis là encore aujourd'hui. Ici, c'est le siège du RPG Arc-en-Ciel. C'est moi, Fatoumé le Diallo. Bon, je vous ai dit la définition de maman, je m'en fous. Donc, voilà. Je suis là le 6 juin 2019. On a adhéré officiel au siège, ici au RPG Arc-en-Ciel, au siège c'était là. Et je réitère mon engagement et ma détermination au sein du parti. Je suis et je resterai une militante engagée pour le champion et pour le RPG Arc-en-Ciel. Je suis tellement fière de ce grand parti. Je suis tellement fière des militants et sympathisants du RPG. Je suis tellement fière des patriotes guinéens. Aujourd'hui, c'est la joie. Vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure chez mon frère Dédiebou. Je dis tout ce que Dieu fait est bon. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Et quand Dieu dit non, personne ne peut dire oui. Le oui de quelqu'un et le nom de Dieu, c'est le nom de Dieu qui marche. Donc aujourd'hui, c'est un autre jour de nous, les RPGistes. C'est un autre jour des patriotes. C'est un autre jour pour nous, les RPGistes. On est fiers, très contents aujourd'hui. C'est un grand pas. Il faut dire merci. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Et la libération du champion. Quel qu'en soit quoi, en tout cas vos voeux là, vous les militants de l'IFDG, vos voeux là, ça n'a pas marché et ça ne va jamais marcher. Parce que je vous ai dit, le dernier mot appartient à Dieu. Quelle qu'en soit votre haine, quelle qu'en soit votre méchanceté, quel qu'en soit votre ethnocentrisme, là, ça ne change rien dans la vie des gens. Vous n'êtes pas Dieu, vous n'avez pas le dernier mot. Seul Allah qui a le dernier mot. Seul Dieu qui a le dernier mot. Donc, si Alpha est libéré aujourd'hui, nous on ne peut dire que merci à Dieu, merci à Allah. Dieu, l'homme propose, Dieu dispose. On ne peut pas faire quelque chose que Dieu n'a pas voulu. Dieu a décidé qu'Alpha sera libre. Donc ça, je vais dire un merci au colonel Mamadi Doumbouya. Merci d'avoir écouté le monde. Merci d'avoir écouté les patriotes. Merci d'avoir écouté les RPGistes. Comme ce que nous, on a toujours dit. On n'a rien contre lui. On n'aura rien contre lui. Les RPGistes, ils sont loyaux, ils sont nobles. Ils sont humains, ils sont sages, ils sont humbles. C'est pourquoi le pouvoir va revenir aux RPGistes. Nous, les RPGistes,
c'est nous encore qui vont revenir au pouvoir. Pas parce qu'on est beau ou parce qu'on n'est pas violent. Le pouvoir se gagne dans la paix. Le pouvoir se gagne dans la paix. On a montré au monde entier que nous ne sommes pas violents. La violence ne peut rien en jeu. Aujourd'hui, les gens n'ont fait que dire « Colonel, on veut que tu libères le champion. On veut que tu libères Alpha Condé. On veut que tu libères Alpha Condé. On veut que tu libères Alpha Condé. » Il est libéré. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne, c'est lui qui retire. C'est lui aussi qui retire quand il veut, comme il veut. Ce qui est plus important, c'est ce que moi j'ai dit, c'est la vie de l'être humain. Quand on vit là, c'est le plus important. Le président aujourd'hui, il est en vie, c'est ce qui nous importe, c'est ce qui est plus important. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Si son pouvoir n'est pas fini, quelle personne ne peut empêcher? Si son pouvoir est fini, même si on veut, même si qui veut, c'est fini. Mais nous, notre objectif, c'est quoi? C'est quand on voit le RPG au pouvoir, c'est tout ce qu'on souhaite encore. Et Inch'Allah, par la détermination et par la sagesse de nous, les militants, on va voir encore ce jour, Inch'Allah. Le président de la République, le futur président, sera un RPGiste. Parce que quel qu'en soit quoi, Alpha allait partir. Comment on ne savait pas? Quand on ne savait pas? Mais il allait partir. Oui, il allait partir. Donc, voilà. Merci à toutes les personnes qui ont œuvré dans ce sens pour sa libération et tout. Et je profite de l'occasion pour dire au colonel Mamadi Doumbouya, nous, on vous a dit ici, on n'a rien contre vous. Moi, personnellement, je n'ai rien contre vous, le colonel. Oui, je n'ai rien contre vous. Sincèrement dit, tout ce qu'on demande, c'était la libération du président. Et ce qu'on va vous demander encore de nouveau, c'est que le président, qu'il a accès aux personnes qu'il aime, qu'il a accès à son téléphone, qu'il a accès à sa famille. Quand tel est le cas, nous le reste là. Tout ce que Dieu fait est bon. On est derrière tout ce que le président il va nous dire là. Comme il n'est pas mort là, il va parler. Comme le peuple de Guinée, patriote, aime le président. Je dis bien les patriotes. Les patriotes aiment le président, ça ne bouge pas. Les personnes qui ont dansé ici, c'est les personnes qui n'ont jamais aimé Alpha, avant même qu'il soit président. C'est les personnes qui ont dit que Sékou n'a rien fait. C'est les personnes qui ont dit que Conté n'a rien fait. C'est les personnes qui ont dit que Dadis n'a rien fait, il ne pouvait pas faire quelque chose. Konaté, la même chose. Alpha, la même chose. Si c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui acclament que le colonel peut, c'est le sauveur, c'est le libérateur, c'est le sauveur, je ne sais, c'est le quoi, tant mieux. Nous, ce qu'on demandait là, on a vu ça. Maintenant, si le colonel veut, il peut là, il n'y a aucun souci. Nous, les autres patriotes, c'est ce qu'on demande, on veut. Nous, on sait que ce qu'Alpha a fait, toute personne qui vient, c'est là où il a laissé, c'est là-bas la personne va prendre. Il n'y a que les ingrats, les personnes indignes, les personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie, les personnes qui ne veulent rien pour les autres, tout pour eux là. Il n'y a que eux qui ont dit qu'Alpha n'a rien fait. Sinon, tous les autres savent que ce qu'Alpha a fait. Le Guinéen, depuis Alpha est là, il n'y a même pas de bougie, il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de crassine. Tu n'entends même pas parler de ça. Grâce au champion, le bâtisseur Alpha Condé. Mais comme c'est des ingrats, il y a des ingrats, il y a des gens qui ne veulent, c'est qu'ils ne veulent que ce soit eux, quoi. Hein? Ils oublient que le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Ils oublient ça. Ils sont comme tout le monde, sauf eux, là. Donc, nous, ce qu'on voulait voir, là. On a vu le champion, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mais, qui vivra, verra dans ce pays. Je dis, vous serez très déçus et très étonnés. On va vous enseigner la politique dans ce pays-là. On va vous montrer que la politique, c'est avec la tête et non le cœur. Vous allez regretter de tous vos comportements bidons que vous avez fait en Guinée ici. Moi, je suis très fière aujourd'hui parce que le peuple de Guinée est conscient de ce que le champion a fait.
je sais même pas quoi dire. Tout ce que j'ai à dire, c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci Allah. Merci pour ta grâce. Merci pour tout. Le temps est le meilleur juge. Je n'ai jamais arrêté de dire que le temps est le meilleur juge. Le temps est le meilleur juge. Donnons le temps au temps. Le peuple de Guinée va sortir ici, réclamer Alpha Condé, chercher Alpha Condé. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, il est en bonne santé, il vit. Qu'Allah lui donne encore la santé et longue vie, c'est le plus important. Le reste là, on va observer. On va voir. Il est addicté, non? Il est chez lui, non? Alhamdulillah, nous, c'est ça. Vous qui avez dit que c'est le libérateur d'Umbuya, c'est rentré. C'est lui qui peut. Il n'y a aucun souci. Tout ce qu'on ne va pas écouter ici, tout ce qu'on ne va pas accepter demain ici, c'est quand vous revenez pour nous dire que non, Doumbouya est comme ça et comme ça. C'est là que vous allez voir les gens devant vous. Vous avez vu Doumbouya est le libérateur. D'accord. Si vous revenez nous dire un mot ici, Doumbouya a ça ou a fait ça, c'est là que vous allez voir les gens devant vous. Parce qu'on a compris. Déjà, nous, on sait qui vous êtes. C'est les autres qui... Il y a certaines personnes. Bon, je sais que tout Guinéen, quand même, sait qui vous êtes et tout. Je suis au siège, voilà, il fait nuit et tout. J'étais là, on parlait et tout. Donc, comme il se fait tard, je vais monter dans la voiture. En rentrant là, je vais faire un petit direct. Je suis ici. RCCANEWA, je suis ici, au siège. Je réitère mon engagement. Je suis jeune. Championne, une militante engagée, combattante du champion et du RPG arc-en-ciel. Je suis une RPGiste. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Je suis fière. Allez, vous finissez encore ce moment. Pardon. Vous avez vu Muse Sport. Hein? RPG Alpha Condé. C'est une championne. Et je vais rappeler aux gens, je vais vous dire aujourd'hui quelque chose. Toute personne qui va m'aimer avec mon choix politique, avec mon engagement et ma détermination pour l'RPG arc-en-ciel. Toute personne qui va me détester avec ça, c'est pas mon problème. N'oubliez pas, bientôt 3 ans, moi j'ai perdu mon papa, j'ai pas parlé avec lui, ça n'a rien changé dans ma vie. Donc c'est pas vous des inconnus qui n'ont jamais contribué à quoi que ce soit dans ma vie, que si vous me coupez la parole ou vous me laissez ou je ne sais quoi, ça va changer ou affecter ma vie. C'est pas mon problème. Donc, que ce soit n'importe qui, je dis bien n'importe qui, toute personne qui va m'aimer, tu vas m'aimer et respecter ma décision, mon choix politique, mon choix c'est le RPG. Et ma vie politique là, je veux toute personne qui m'aime là, la personne reste loin de ma vie politique, ça me concerne. Personne n'a vu ma mère, mes enfants, qui que ce soit en politique, il n'y a que moi qui est affiché, mon frère il est affiché. Donc les autres là, on n'a affiché personne. Donc je vais afficher personne. Laissez-moi dans mon combat noble que je suis en train de faire. Voilà. Donc c'est ça la vérité. C'est ça. Vous allez comprendre cette fois-ci c'est quoi la politique. On va vous enseigner c'est quoi la politique. Dedebo avait dit la dernière fois, c'était le 25, il dit ils vont libérer le président. Vous avez pris ça comme s'il n'avait pas quoi dire quoi. Non, il n'a pas quelque chose à faire, donc non, il a parlé pour parler. Ah, l'alpha est libéré. Et on va vous enseigner ici la politique. On va vous montrer qui est qui. On va vous montrer c'est quoi la politique. Vous pensez que le RPG est venu au hasard comme ça? IFDG, ils ont imposé ces loups d'aller en 2007.
l'UFDG a été créée, je n'étais pas née, moi. Je n'étais pas née. Est-ce que vous savez, les gens, les grandes personnalités, les grandes personnes, les sages et tout, qui ont fondé le RPG, vous pensez que ça va partir comme ça dans l'eau? Ça ne marche pas. C'est Dieu qui est derrière le RPG officiel. Dieu a fait ça pour montrer au monde qui était qui. Qui est qui? On a compris qui est qui. Chacun de nous aujourd'hui, on connaît qui est qui. Qui peut faire quoi? Donc, je suis et je reste une militante engagée pour le RPG actuel. Je ne veux pas que quelqu'un me juge pour moi mon choix politique. Je ne veux pas qui que ce soit prendre sa bouche pour parler de ma vie politique. Toute personne qui veut être en paix avec moi, qui veut une relation où je ne sais quoi que ce soit avec moi, on respecte mon choix politique, on me laisse dans mon choix politique, on me laisse dans mon RPG officiel. Que ce soit clair pour tout le monde. Je n'ai jamais eu peur. Par amour, je respecte et je fais les choses par respect, par amour. Donc, c'est pas fini. Je reviens tout à l'heure. C'est qui ça? La soeur Fatsouni, le SEP. Ok, d'accord. Et celle qui est à côté de moi, elle va vendre la. Ok. D'accord, c'est ma soeur, il n'y a aucun souci. Quand il va vendre le attends, la soeur va signer le sac. À côté de toi, je vais vendre le terrain de mon papa, la terre de mon papa demain. Ah. Yeah. T'es pas arrivé là-bas. Envoie les 10 colas seulement, on va te donner la femme. On te donne madame. On te donne femme, il n'y a aucun souci. Donc on est au siège, il fait nuit là et sous. Bon, bonnet. Il ne change pas les bas, les barils, les galops, les sauts et les balles d'échanger. Vous avez dit tout ce que vous dites ici, là, on voit le contraire. Vous avez tout dit. Je viens dans la voiture pour. Je reviens, à tout à l'heure.